Je suis de retour! Ben oui, j'étais parti une semaine pour la PJW, vous avez même pas remarqué? Tu m'as manqué, toi, celui qui met des pouces bleus sur toutes mes vidéos! Bon, bref, aujourd'hui, bienvenue dans le nouveau Lundi Indi. Même si on est mardi. Lundi Indi! Indi Lundi! Alors ce jeu s'appelle Forgotten School. Where is everyone? I better hurry or I will be late for class. Où est tout le monde? Je vais devoir me dépêcher sinon je vais être en retard pour aller à l'école. Donc du coup nous avons cet effet dégueulasse sur l'image. Comme on peut le voir, l'école est à 215 mètres. Alors je sais pas pourquoi il pleut et je sais pas pourquoi je filme. C'est sûrement un japonais vlogueur. Est-ce que je peux passer par là? Oh ben non, je peux pas. Oh. What? Do it. Jump. What? Ah, c'est ce type de jeu. Oh non, j'aime pas trop quand c'est comme ça, c'est parce que c'est réaliste, tu vois. Il y a des gens qui souffrent vraiment et à l'école et tout, tu vois, voilà, voilà quoi. Et maintenant, voilà, c'est mon première vidéo depuis une semaine et ça commence direct avec un sujet lourd. Allez, dépêche-toi, 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 on arrive à l'école. Ok. Je dois trouver d'abord la bibliothèque. J'ai grandi entre-temps, c'est ça? Parce que j'étais tout petit et maintenant je suis plus grand que les casiers. Donc je peux voir au-dessus si jamais... Je suis à 1m80. Oh. Ok. Il y a un bout de papier qui est tombé. Oh, un papillon! Hé, papillon! Damn. Pourquoi les gens, ils sont dégueulasses, hein? Ils laissent leur casier ouvert comme ça dans le couloir. Imagine quelqu'un, il débarque, il se pète la gueule et c'est fini. Oh, c'est les cours sonnent. Ah, oh, je suis pas au bon endroit, il faut que je descende. J'ai pas tilté. Ah. Loser, alone. Ok, ça craint un peu. Sans vie, exclu. Oh. Oh oh. C'est quoi? C'est des yeux. Dis. C'est dégueulasse, idiot, statique. Loser. Fini sans en. Ah, c'est moi qui ouvre la caméra quand je veux, j'appuie sur... Il te regarde tout le temps. Tu ne vois rien. Ok. Bah c'est sympa. Qu'est-ce que je te dis? La bibliothèque semble différente. Différente dans le sens où c'est vachement brouillé et t'as l'impression qu'il se passe des trucs ici. Je vais sortir ma caméra. Peut-être que... Oh, oh, oh. Ok. Quelqu'un frappe à une porte. Et il y a des mots un peu bizarres partout. Et des mains. Si elle m'attrape, ça fait quoi en fait concrètement? Je vais peut-être avancer, tu sais quoi. Je vais pas rester ici pour voir ce qu'elle peut me faire. Je ne sais pas qui elle est, je ne sais pas ce qu'elle veut. Je ne sais pas c'est quoi son but. Oh. Est-ce que je peux aller là-dedans? Alors... Oh! Oui, tu souris! Hey, salut! Ah ben au revoir! Oh mon dieu! Un squelette qui est accroché au plafond. Je vous avouerai que ce style graphique me donne un petit peu le tournis en fait. C'est un peu chaud. Ah, j'ai réussi. Est-ce que je suis mort? Est-ce que tout ce que je vois sont morts? Il rigole très fort, la mort. Dors pour toujours. Je suis dans l'infirmerie. Il y a des gens pendus partout. C'est toi qui as fait ça. Mais j'ai rien fait du tout en fait. Je comprends rien. Je vais faire quoi? La morale de l'histoire, soyez gentils. J'ai pas spécialement compris, mais je crois qu'il y a un message caché derrière afin de nous rendre... de nous faire comprendre qu'il faut être gentil avec les autres. Le jeu suivant s'appelle Taxidermy. Et c'est une démo. Je rappelle que tous les jeux que je récupère sont sur itch.io, en général. Ou GameJot. Mais là, c'est itch.io. Donc, du coup... je suis dans une petite chambre. La porte est verrouillée devant moi. Et j'ai la pire salle de bain du monde. Il y a deux sets de toilettes devant un évier. Devant un lavabo, plutôt. Oh. Ok, quelqu'un a fermé la porte devant moi et est parti très rapidement. Il fait super sombre. Il fait vraiment ultra sombre dans ce jeu. Je ne vois pas grand-chose. Et j'ai une question à vous poser. What does a fox say? Désolé. Ah!
Tu veux dire que pendant que je chantais What Does the Fox Say, il y avait un cerf empaillé qui me regardait tout le monde. Ouais, je te regardais, c'est... Je veux te dire, tu chantes extrêmement bien. Je vais voter pour toi à The Voice 2020. Ah bah, ça fait plaisir, franchement. Lâchez le pouce bleu pour The Voice 2020, tout de suite, hein, toi-même, tu sais. Ok, j'ai récupéré une valve. Oh, mais dis donc, je pensais que t'étais empaillé. Oh, je suis pas empaillé, je suis fatigué. Ok, d'accord. Pourquoi il y a des herbes à l'intérieur de la maison? Pourquoi je me pose des questions encore existentielles? Il y a une clé, là. Oh boy, il se passe trop de trucs bizarres ici. Ah, est-ce que je peux mettre la valve ici? Interact. Ah, je peux mettre la clé là, je vais appuyer sur ce bouton là. Ok. Oh, d'accord, est-ce que je peux prendre mon élan? Tada! Apparemment non. Si j'étais un développeur indépendant de jeu et que j'avais aucune idée de comment faire un jeu, où est-ce que je mettrais un truc de manivelle pour pouvoir avancer? Si je n'ai aucun talent, où est-ce que je foutrais les choses? Je mettrais les choses, bien évidemment, dans un endroit qu'aucun joueur n'irait de façon plutôt logique, voyez. Ah ah! Voici l'endroit où je mettrais un bouton! Quel enfoiré. Et ça fait quoi, du coup? Ça a ouvert quoi? Ah, ça a ouvert la porte ici, d'accord. Et ici, je peux mettre la manivelle. Nickel. Et maintenant, en ayant mis la nip. Ouais, je suis occupé. Désolé. Désolé. Grosse commission numéro 1. Arrêtez de taper sur les portes, franchement. Non, ça fait toujours pas ce que je veux que ça fasse. Le mec, il a tapé sur les portes comme un... Comme un malpropre, là. Alors, la manivelle a permis de faire quelque chose, mais pas ce que je pensais que ça allait faire. Ah, mais ça, il y avait de l'eau en vrai. D'accord. Et j'avais pas compris le délire, tu vois. J'avais pas compris que c'était de l'eau ici. Je pensais que j'étais mort parce que... Je sais pas, comme ça, tu vois, genre, magique. Et ça... Ça a fait quelque chose. Ok, voilà, ça a fait le truc que je voulais que ça fasse, c'est-à-dire des plateformes qui me permettront de sauter... dessus et atteindre les escaliers qui sont de l'autre côté. Très bien. Et on va faire attention de ne pas tomber parce que la mort est encore présente. Hé hein. Hey, c'est Rose, bienvenue. C'est ma chambre. Bah écoute, bah, merci à toi. Hein. T'as quelque chose de particulier à me dire? Non, dessus. Est-ce que t'as emmené des trucs à boire? Non, est-ce que tu veux... Non. Désolé. Je bois pas d'alcool, c'est pas ma faute, ok? Je suis déçu de ta part. Oh. Écoute, petit cerf. J'ai du coca, éventuellement. Ça peut peut-être le faire. Le coca, j'ai pas trop ça. Hein. Je préférerais la bière. Oh. Quelqu'un peut lui dire qu'on peut éventuellement faire la fête sans bière. Hein. Ça arrive. Hein. C'est possible. Moi, j'y arrive. Sans problème. Bon, et, du coup, ici... J'ai une hache recouverte de sang, une tête d'oiseau découpée. Et ici, nous avons le fameux lapin. Le lapin qui est dans tous les jeux. Le lapin qui vous fait comprendre que tous les jeux d'horreur auxquels j'ai pu jouer récemment font partie d'un seul et même univers. Le MCU du jeu d'horreur. C'est pas ça la musique? Ok. Bref, en tout cas, c'est quand même le même lapin. C'est quoi? La clé des... pour s'échapper. J'avoue qu'il m'avait peur. Non, je suis devenu un cerf. Je suis devenu comme mon pote, le cerf. Ce jeu s'appelle Dark Dragged. Je suis un détective qui cherche pour une personne qui a disparu. C'est une adolescente du nom d'Elena Greenwood. Elle écrit souvent des lettres à Rajan Burman qui restait dans un hôpital à côté. Je pense qu'elle est peut-être partie là-bas. Wow.
Ok, d'accord. Je suis un petit inspecteur, hein, parce que quand tu regardes la porte, tu te rends compte que je suis un tout petit inspecteur. Mes petits pieds d'inspecteur, je vais réussir à trouver où se trouve l'adolescente. T'inquiète pas, Elena. Je te retrouverai même si je dois courir. What the fuck? Pourquoi il court? Pourquoi il court derrière moi comme ça? What the fuck? Le monstre ne peut pas te voir lorsque ta lampe torche est allumée. Bon ben, on va éteindre. Hein. S'il me voit quand c'est allumé, hein, on va jouer sans. Mais du coup, ça veut dire que je peux m'échapper facilement? Genre s'il passe à côté de moi, je peux lui faire coucou et il se passe quoi? C'est pas un hôpital, ok? C'est une énorme salle d'attente. Oh, what is that? Oh mon dieu, la clé est gigantesque en fait. Oui. Où est-ce que je suis concrètement? C'est quoi cet hôpital? Qui a inventé un hôpital comme ça? Je vais aller vers la lettre qui bouge. J'ai entendu à propos de l'accident. Tu dois être plus prudente. Je m'inquiète vraiment pour toi, tu sais. Je tiens à toi. Tu aurais pu mourir. Je pense que tu ne devrais pas faire de l'escalade. Tu devrais arrêter l'escalade. Quoi qu'il en soit, j'espère que ta jambe va bientôt se guérir. J'ai 14 trucs comme ça à trouver. Ah ouais. C'est pas un hôpital qui inspire la confiance, tu vois. Tu casses ta jambe, tu fais « Non, mais je vais pas à l'hôpital !» Alors, je vais me diriger vers cette porte qui est plongée dans la lumière. Avec peut-être la possibilité... Oh, il y a un bureau, là. Il y a une lettre, là. Je vais récupérer la lettre, alors. Presse R to read. Merci pour ta lettre. Je pense que tu t'inquiètes beaucoup trop. Je vais bien. Ils ont dit que je rentrerai demain, donc je te verrai là-bas. J'espère que tu vas bien. Rajan. Ah, Rajan. Rajan s'est pété la jambe. C'est lui qui fait de l'escalade en fait. C'est pas elle. J'ai pas eu le temps de lire. Chère Elena, mauvaise nouvelle. Je dois rester plus longtemps à l'hôpital. Ils disent qu'ils ont trouvé une sorte de mauvais virus dans l'intérieur de mon corps. Je ne suis pas sûr de savoir comment il s'appelle. J'espère que je serai bientôt de retour. Je me sens tellement seul ici. Je souhaite que tu puisses me visiter, mais apparemment, c'est très contagieux. Je ne veux pas que tu tombes malade, Rajan. C'est un bon marmaille. C'est un bon enfant. Très bon enfant. Alors, j'ai trouvé l'autre porte, apparemment. Donc, du coup, en fait, la blague, c'est que je dois traverser différents couloirs et trouver la clé pour la porte et trouver des papiers en même temps pour apprendre un petit peu plus sur l'histoire. Oh non, Rajan, c'est horrible. J'espère que tu iras vraiment mieux. Tu me manques. Je veux que tu sois heureux et de nouveau en bonne santé. Ton sourire me manque, ton rire, tes blagues. Ma vie est tellement triste lorsque tu n'es pas ici. Miss you. Et elle a raté la signature parce qu'elle a écrit Elena, mais genre en dehors de la lettre, tu vois. Tu parais combien que c'est Rajan qui me court dessus depuis tout à l'heure? Ah, j'ai peur. Je pense que quelqu'un me suit. Un homme avec un manteau marron. J'arrête pas de le voir. Il n'arrête pas de me regarder, mais lorsque je regarde, il tourne sa tête et il fait semblant de faire quelque chose d'autre. Comme lire un journal. Qu'est-ce que je devrais faire? Appelle la police. Au lieu d'écrire une lettre. Je crois que j'ai trouvé la clé. Hop. Hop, 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 hop. Est-ce qu'il me voit dans la lumière ou il me voit que quand j'allume la lampe torche? Je crois qu'il me voit que quand j'allume la lampe torche. Ok, on va le laisser... On va le laisser faire ce qu'il a à faire. Je sais pas ce qu'il fait, mais voilà. Mec ! Alors, une sorte de virus a infecté tous les patients. Est-ce que je serai infecté aussi ? Oh ! J'ai trouvé la clé directe. Ça fait des bruits un peu de granny, non? C'est de la triche! Ma lampe était éteinte! En tout cas, les amis, je suis super content de vous avoir tous retrouvés. Bah oui, ça fait longtemps quand même pour moi. Ça fait plus d'une semaine que j'ai pas tourné. Et c'était super sympa de vous rencontrer à la PJW. Je suis désolé pour ceux que j'ai pu rater et qui étaient là. On pourra se revoir sûrement à un prochain événement. N'oubliez pas, si vous aimez les lundis indie, de bombarder les vidéos de pouces bleus. Je vais faire un live Halloween après Halloween. Ça va être le live d'après Halloween. Je sais pas quand exactement, mais je pense que ce sera plutôt vers vendredi. Et rendez-vous donc sur Twitch pour ce petit rendez-vous horrifique. Je vous fais des bisous tout partout. C'est Ross. Out.